Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble en Inde, plus précisément à Mumbai, c'est-à-dire anciennement Bombay. On se retrouve juste après l'intro, à tout de suite. Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Alors me voici de retour en Inde. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas couru ici en Inde. Je suis de retour ici à Mumbai, plus précisément c'est Bombay, anciennement Bombay. Bombay est devenu Mumbai, pardon, en 1995 ou 97, je ne sais plus quand ils ont pris officiellement le nom. Alors ici sur ma droite, vous avez le Gateway of India, un arc de triomphe qui commémorait l'arrivée du roi d'Angleterre au début des années 1900. Je ne sais plus quel roi c'était exactement, George V ou IV, je ne sais plus. Je vais vous le mettre, on verra bien. Alors, pour courir ici, il faut faire gaffe parce qu'il n'y a absolument aucun endroit fait pour courir ici en Inde. C'est une ville qui grouille de partout. Je vous rappelle, ils sont plus d'un milliard d'habitants ici en Inde. À Bombay, eh bien, ils sont 12 millions d'habitants. Si vous rajoutez l'agglomération, ils sont à plus de 20 millions d'habitants recensés. Donc il y en a encore plus. C'est une ville en constante évolution. Ce qui veut dire que les trottoirs sont défoncés. Il n'y a absolument rien fait pour les coureurs ici. Donc moi, j'ai trouvé un petit truc ici. Je vais vous emmener courir au Oval Maidan. C'est un ancien parc, je vais vous expliquer son histoire, on y va ensemble. Et c'est à peu près là où vous pouvez courir tranquillement sans risquer de vous faire écraser. Parce que je vous rappelle, en Inde, la vie, eh ben, ça vaut rien. Voilà, c'est le chakra et c'est le karma. Donc faites gaffe à vous quand même. Allez, c'est parti. Ah oui, alors ici, je vous le rappelle, on conduit à gauche. Hein, je vous rappelle que l'Inde était une ancienne colonie. C'était une ancienne colonie britannique. Donc, ils ont gardé ça. Ils ont gardé aussi pas mal de trucs, je vais dire, un peu chiants. Toute la bureaucratie indienne, croyez-moi, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez des paperasseries à remplir sur des vieux cahiers à l'encre, et croyez-moi, ça rigole pas. Et en plus ici, c'est un peu comme en Afrique, nous on a l'heure, eux ils ont le temps. Voilà, méditez sur ce petit proverbe africain, c'est exactement le même ici. Alors voilà, on arrive directement à l'Oval Maidan qui se trouve juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement. Alors, tant que le bus passe, il se trouve là-bas. Alors moi, aujourd'hui, je vais faire le tour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez Oval Maidan. C'est un parc, c'est le plus long. Il fait 22 acres. Ce qui fait à peu près 10 ou 12 hectares, je crois, je me souviens plus, en conversion, c'est ça. Derrière, vous en avez un autre qui est en forme de triangle, et après, vous en avez encore un autre qui est un peu plus petit. Donc, vous pouvez courir tout au long. Vous ne pouvez pas courir, bien sûr, dedans, parce que dedans, eh bien, ces terrains sont réservés. Alors oui, d'ailleurs, ces terrains sont exclusifs au sport, au pique-nique et tout ça. Ils sont interdits aux rassemblements politiques et religieux. Si vous voulez faire ça, vous allez le faire ailleurs, sûrement pas ici. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Alors, nous on va partir. Vous voyez, je vais faire le tour. C'est pas très grand, hein, mais ça vous permet de courir un petit peu. Bon, me voilà au tour de ce fameux parc. Je commence à transpirer, hein. Il fait 32 là ce matin. Il est 11h du mat. Vous allez me dire, pourquoi t'es pas parti plus tôt? Quand je me suis posé
en pleine nuit, quand je suis arrivé à mon hôtel, il était à peu près 3h du mat. Ce qu'il faut savoir ici aussi, c'est que les aéroports en Inde ne ferment pas, contrairement à chez nous, en Europe et dans certains pays du monde occidentaux. Ils ne ferment pas, ils sont ouverts non-stop, parce qu'il faut vraiment gérer le monde, la population. Ah oui, alors comme je disais, comme je suis arrivé, eh ben, à 3h du mat, il faisait 29 degrés, avec une chaleur étouffante. Bon alors, j'arrive dans un cul-de-sac, je vais essayer de passer devant le Banyan Tree, me faufiler quelque part. Je fais gaffe à moi parce que, je vous le rappelle, on conduit à gauche ici, ça klaxonne. C'est les rois du klaxon ici. Ça s'entraîne au cricket. D'ailleurs, le cricket, c'est le sport numéro 1 ici. Il faut le savoir en Inde, hein, c'est plus que le football, c'est plus que le tennis. C'est le cricket. Généralement, il se rencontre avec tous les pays du Commonwealth. Il y en a un paquet. Et si vous n'avez jamais assisté à un match de cricket, ben croyez-moi, ça dure des heures. Des heures. Je vous laisse regarder les règles sur Wikipédia. Bon allez, je vous fais un time warp. On va faire le tour ensemble, là, je vais vite vous le montrer. Et puis je vous expliquer un petit peu après différentes choses à propos de ce parc. Il fait 1 km, je vais mettre comme ça, 1,60 km de circonférence. Donc si vous voulez en faire des 10 km, il faut en faire au moins 7 ou 8, suivant d'où vous partez. Ça fait pas mal de tours. C'est de la terre battue, je vous montre. Et véritablement terre battue, pas de la terre battue de Roland-Garros. Vous en avez seulement ici pour les batteurs. Sinon, le reste, je remonte, de la terre fine tassée, à la base sans cailloux, mais bon, les cailloux sont remontés. Tout bon agriculteur vous parlera de ce problème des pierres qui poussent. C'est ça, voilà. Vous voyez ce panneau? Et le bâtiment derrière. Mumbai is upgrading. C'est écrit ici. En hindi, je crois, ou en sanskrit, je ne sais plus exactement. Je ne pourrais pas vous dire la différence exactement, mais c'est l'une des deux, ça poursuit. Alors, ce parc, regardez, qui est derrière moi, qui est vraiment pas mal, hein. C'est, on peut dire que c'est le Central Park officiel, eh bien, de Mumbai. Il faut savoir qu'il avait été créé il y a fort bien longtemps, au début du siècle, et même avant. Parce que avant, toute cette partie là, là c'est la partie art déco. Je vais vous emmener rapidement avant de finir au bord de mer. Avant, eh bien c'était la mer. Ils ont gagné sur la terre. Et ils ont continué à construire. Sauf que ce terrain qui restait bien sûr, eh bien une énorme friche, courtisait bien sûr tous les investisseurs, véreux ou pas véreux, pour construire, parce que ça coûte, je vous dis, il y a 20 millions d'habitants ici, donc il faut de la place. Donc forcément les prix vont haut un peu, c'est comme chez nous, voilà. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce terrain, je vous le remonte, était à l'abandon jusqu'en 1996-97, je ne sais plus exactement, je vais vous mettre la date. C'était devenu
on va dire pas une décharge, mais vous aviez tous les clodos, tous les drogués, toutes les prostituées et tous les petits marchés, entre guillemets pas légaux, se trouvaient ici. Donc en fait l'amicale des voisins d'ici, c'est-à-dire, alors croyez-moi, c'est des gens riches, hein. C'est pas les pauvres indiens qui habitent dans des slums qui ont fait la pétition. C'est tous les gens riches. On fait une pétition pour que ce parc devienne monument historique. Pardon. Ils ont écrit au gouvernement qui lui a refusé catégoriquement de signer. Il faut savoir qu'en Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, sur le papier. Après, dans les urnes, c'est autre chose. Mais bon, ça reste sur le papier, c'est ça. Donc, il ne faut pas froisser d'autres personnes, et voilà. Donc, ils ont porté ça devant la Cour suprême, qui, elle, leur a dit, bah oui, bingo. Et donc, depuis 1900, je vais vous dire, 97, 96, je ne sais plus exactement, j'ai oublié. Eh bien, ce parc est devenu un monument historique, et il est classé auprès de l'UNESCO. Donc, voilà, il restera comme ça. Ça restera un terrain de jeu, un terrain de runner. Moi, je repars, ça y est. Il faut quand même faire, je vous le dis, pas mal de tours si vous voulez. Vous êtes un runner confirmé. Confirmé, alors, dans les deux sens, dans les distances et aussi dans la chaleur. Hein. Je vous rappelle, à Bombay, c'est rare qu'on descende en dessous des... Allez, 25 degrés, c'est très, 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 très rare. Et quand il ne fait pas une chaleur étouffante avec un soleil étouffant, vous avez les pluies diluviennes qui vous tombent sur la tronche. Et quand je dis diluvienne, c'est pas 10 cm, hein, c'est pas des millimètres, c'est des mètres. Voilà, allez, on continue. Alors à mes pieds, je sais pas si vous pouvez le voir, il y a une barre là en fer qui explique tous les monuments historiques qui se trouvent sur cette avenue. Je vous montre ça. Voilà. Les monuments art déco gothique. Vous avez le Moonak, le Sunshine, Ivorine, Pancourt, Hovalview, Belvedere, Shiv Shanti Bhuvan, Raja Malal, Empress Court, Rajesh Mansion, Windows House, Queen's Court, Greenfield, Swastik. Ne pas confondre avec la croix gammée, hein, chez eux c'est un symbole religieux. Motaboy Mansion, Fairlawn, Courtview et le cinéma, Eros Cinema, qui n'est pas un cinéma coquin. Attention, si vous êtes en manque. Alors voilà, vous voyez, je vous disais, je vous laisse lire. Non, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais juste ici, voilà. Et on vous raconte tout de ce parc. Alors, tout le long, vous avez des petits marchés, si vous voulez boire. Pensez à prendre des roupies, hein, pas des gros billets. Parce qu'ils n'ont pas de monnaie, hein, ça vaut que dalle ici. Je vous rappelle qu'on est en dessous du seuil de pauvreté ici. Et nous, on va se balader le long des bâtiments gothiques. Je vais en faire quelques-uns. Allez, c'est parti. Alors ici, vous n'avez pas beaucoup de passages piétons. Il en existe, hein. Je le rappelle, tiens, en voilà un qui est passé. Mais ça klaxonne beaucoup. Et surtout, les feux passent quand ils veulent. Hein. Vous avez beau appuyer, pas appuyer. Donc, vous traversez quand vous pouvez, sans bien sûr vous faire écraser. Vous voyez, ça arrive à droite, à gauche, dans les deux sens. Normalement, ça serait priorité à droite ou priorité à gauche, selon les feux. Moi, je vais y aller maintenant. Hop, je fais attention. Et voilà, c'est pas pour moi, c'est pour prévenir qu'ils arrivent. Un virage du danger. Je vais partir au début de cette avenue pour vous montrer tous les bâtiments en time war. Je mettrai peut-être en sous-titré ce que c'est. C'est par là. La première chose qu'on remarque ici, on est à l'ombre des banyan trees. Et ça apatrie, ça fait chuter la température qui vous tape plus sur le ciboulot. Notamment si vous êtes avec une peau un peu nordique comme moi et que vous devenez rouge homard,
au bout de 10 minutes d'exposition, même avec les années. On va commencer là. Il y a plein de trucs là-dedans. Je ne sais pas trop en fait ce que c'est. C'est un peu un bordel. Un peu à l'indienne, mais ils y arrivent, hein. Croyez-moi, ils y arrivent. Donc on va partir de ce bâtiment historique qui se trouve là. Voilà, au début du rond-point. Et Oval qui est juste là-bas, qui commence là-bas. La police qui est juste en face. Oui, alors ici, ça craint pas de jour, ça craint pas trop ici où je me trouve. Je suis dans le quartier des plus ou moins des ambassades, des touristes, donc ça va encore. Si vous allez dans d'autres quartiers, faites attention. Allez, le Time Warp, c'est parti maintenant. N'oublions pas ici, je vous le rappelle, l'extrême pauvreté qui règne ici en Inde, notamment à Bombay dans la capitale. Ils viennent encore tous. Regardez, on nous fait des petites bulles. Bon allez, on réessaye de traverser, je vais me mettre derrière un indien. Ça va faire une petite protection. Voilà, monsieur lève le bras, merci. Et c'est parti. Comme je vous disais au début, vous avez plusieurs parcs, le Oval Maiden, qui est le plus grand. Ah, je suis dans le mauvais sens, c'est vrai. Faut que je cours par ici. Et vous avez le Triangle Maiden et un autre. J'ai oublié son nom, je vais vous le marquer. Allez, on y va tout de suite. Voilà. Alors, vous marchez entre les évacuations d'eau, la pisse, entre autres, ils en passent. Et voilà. Là, donc vous êtes au Karnataka Sporting Association, qui est lui exclusivement réservé au cricket. Regardez, ils jouent là-bas, ils jouent tous là-bas. Là, vous avez un petit terrain de foot. Vous ne pourrez pas y aller pour courir. Hein. Je vous recommande vraiment vivement d'aller au Oval Maiden, Oval Maiden en français, le parc Oval de sa forme ronde, et vous pourrez courir tranquillement vos kilomètres. Et alors juste là, entre les deux parcs, vous avez une petite allée où vous avez des échoppes, des petits vendeurs à la sauvette qui vendent tout et n'importe quoi, par exemple un fer à friser, une lampe de poche, des vêtements pour bébé, il y en a qui font sécher aussi leur linge, qui en profite. Alors je vous emmène vite fait à l'autre. Donc voilà, là vous avez la rue. Voilà, là vous avez la rue, les petites échoppes qui séparent les deux parcs, l'un de cricket et l'autre qui est un peu plus grand. Je vous le rappelle, on y va de suite, je vais essayer de trouver l'entrée. Voilà. On est arrivé devant. Voilà, c'est l'entrée pour les gens qui y travaillent. Dans ce parc, vous avez un temple aussi. Alors par respect, vous pouvez courir bien sûr, mais par respect, je vous conseille de ne pas y aller. Ça sert à rien. Vous pouvez aller courir au Oval. De toute façon, je vous le répète, il est beaucoup trop petit pour courir dedans. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, direction là. Bon, allez, nous, on continue. Je vais aller direction la mer qui se trouve tout là-bas. Ça va être tout simple. C'est en face. Il n'y en a pas pour long. Je vais finir mes 10 km aujourd'hui. Là, j'en suis à 7 km. 80 sous plus de 30 degrés, je ne sais pas, et notamment sous la pollution. Ouais, faites gaffe, regardez, je vous montre la pollution aujourd'hui, ce que ça donne. Voilà l'indice de pollution qui est très élevé ici, donc faites gaffe, c'est asthmatique, c'est pas forcément l'endroit à venir pour courir.
Allez, à la mer. Alors on va rejoindre la route parce que là je suis un peu dans le sens sur la route carrément. Me voilà arrivé ici au niveau du quai de Bombay, du sud de Bombay, vous pouvez le voir. Voilà, je finis ici ma route, j'aurais fait 10 km 80. Je suis plutôt content parce qu'il fait chaud, très chaud. Ça va me faire un mini entraînement pour le semi d'Edimbourg qui arrive là fin mai. Je vais encore faire d'autres petites courses à droite et à gauche. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures. N'hésitez pas à venir en Inde, ça a réouvert. Préparez-vous mentalement, physiquement, parce que c'est un pays pas comme les autres, vraiment pas comme les autres pour les touristes. Ça peut être vraiment incisif. Faites attention. Pour les coureurs, préparez-vous aussi parce qu'il fait chaud. Très chaud. Allez, salut. À bientôt, portez-vous bien.